Recevoir sa parole. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous permets de pouvoir passer un moment dans ta présence. Même si c'est par l'intermédiaire d'un écran, nous savons que tu n'es pas limité Seigneur et que peu importe la situation, tu nous touches, tu nous parles. Merci Père parce qu'aujourd'hui tu viens nous parler et parce que tu nous apprends au travers de ta parole et tu nous bénis. Au nom de Jésus, Amen. Tu vas saisir ton offrande et tu vas dire, Père, voici mon offrande. Je te la porte aujourd'hui avec un pas de danse, avec un chant d'allégresse. Au nom de Jésus, Amen. Les offrandes peuvent commencer. Aujourd'hui, nous voulons louer le Seigneur. Attends. Est-ce que
que tu peux déjà te positionner? Positionne-toi. De là où tu es, imagine Dieu devant toi. Et puis apprête le pas de danse qui va en conséquence. Alléluia. Et nous voulons chanter un nouveau chant. Un chant de louange aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu m'es dit. Tu m'es dit. Tu m'es dit. Tu es digne, tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne d'être loué. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne. Hallelujah.
my God is good, oh. 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 Chuka chini, chini chena, 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 chuka chini, chini chena. Merci Père pour ceux qui ont pu apporter et ceux qui n'ont pas pu, parce que Père, tu continues à pourvoir pour nous tous de sorte à ce que nous puissions apporter dans ta maison. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es bien dans la présence du Seigneur. Et vraiment, je suis dans la joie. Je veux que tu aies de la joie. Maintenant, acclame d'où tu es. Vraiment, fais des fingers à la tradition. Pousse des cris de joie. Parce que comme les chants l'ont dit, my God is good. Vraiment, Dieu a fait de grandes choses dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de ta famille. Et vraiment, nous sommes reconnaissants d'être dans sa présence. Nous sommes reconnaissants qu'il fasse tant de choses pour nous. Et dans toutes ces actions qu'il a fait, il nous a permis de pouvoir vaincre le péché sur toutes les étapes, à tous les niveaux possibles. Dans le message actuel que nous suivons avec le coach Moïse, nous sommes dans la route du péché, le cercle du péché, on peut dire le COD, capacité, opportunité, désir. Mais grâce à l'action de Jésus à la croix, il nous a donné la capacité de pouvoir vaincre le péché, de le fuir. Il nous a donné l'opportunité par ce sacrifice de ne plus tomber dans le filet de l'oiseleur. Et par le Saint-Esprit, il a renouvelé notre intelligence, il a renouvelé notre intérieur, afin que nous ne tombons plus en tentation. Donc,
J'aimerais vraiment t'inviter à te disposer de là où tu es, parce que nous passons à la table du Seigneur, un repas vraiment bénéfique pour nous, un repas qui nous permet de nous remémorer cet acte symbolique qu'il a fait, cet amour si grand qui était manifesté envers l'humanité. La Bible dit, la nuit il fut livré, il prit le pain et il rendit grâce. Éternel mon Dieu, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Ce corps dans lequel il n'y avait ni impureté, il n'y avait ni maladie, il n'y avait ni imperfection. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce pain qui devient ton corps. Ensemble, prenons le corps du Christ. Nous te rendons grâce pour ce vin qui devient ton sang, ce sang qui a coulé pour nous racheter, ce sang qui a coulé pour nous réconcilier avec le ciel. Merci Père, parce que dans ce sang-là, tu nous donnes tes capacités, tu nous donnes ta personnalité, tu nous donnes tes aptitudes, tu nous donnes de devenir comme tu es, tel nous sommes. Et nous te rendons grâce, Seigneur mon Dieu, pour ce sang qui a coulé, pour ce sang que nous buvons maintenant, qui nous rend à ton image. Amen. Et de là où tu es, tu vas acclamer, tu vas pousser des cris de joie, tu vas rendre grâce. Parce que ce repas-là nous a reconnectés avec le Seigneur. Ce repas-là nous a donné la force, la capacité, nous a donné tout le bagage nécessaire pour pouvoir devenir des êtres nouveaux, des fils de Dieu, des assoiffés, des élus. Donc de là où tu es, tu vas acclamer, pousser des cris de joie. Alléluia! Présent, nous allons découvrir ensemble ce que le Seigneur a fait dans la vie de notre sœur Laura. Peut-être que toi ou quelqu'un que tu connais se retrouvera dans la même situation qu'elle a eu à faire face il y a quelque temps. Donc, écoutons son témoignage et laissons Dieu nous montrer qu'il est capable de tout. Laissons ce témoignage renouveler notre foi. Amen. Bonjour, je m'appelle Laura et aujourd'hui je viens vous raconter mon témoignage par rapport au confinement. Donc comme vous le savez, le confinement a commencé, ça fait peut-être 4 mois. Et pendant ces 4 mois-là, j'avais tellement d'objectifs et tellement de projets que je me suis dit, bon, c'est l'occasion parfaite en fait de mettre mes rêves, de faire de mes rêves une réalité. Et donc je me suis dit, j'allais me donner une semaine pour me reposer et tout de l'année scolaire. Et puis après, j'allais commencer à travailler et tout. Mais si on veut être totalement honnête, si je veux être totalement honnête, c'est que je n'ai pas du tout travaillé. La procrastination a pris le dessus. J'étais oisive, il y avait un certain laxisme qui s'était installé. Du coup, je ne travaillais pas du tout. Et à cette période-là, ma relation avec Dieu était devenue assez compliquée. Je ne priais plus du tout. Je ne priais que seulement quand il y avait d'autres personnes. Mais moi, j'avais plus de relation personnelle avec Dieu. Du coup, j'étais devenue une personne comme vide. Je faisais rien de mes journées. Je passais mon temps à tourner dans la maison et tout, mais je faisais rien. Et à un moment donné, je crois que c'était il y a une ou deux semaines, j'ai décidé de refaire la paix avec Dieu. J'ai décidé de revenir dans ses bras, en fait, de redonner ma vie à Jésus. Et quand je l'ai fait, je me suis dit, j'ai perdu beaucoup de temps et j'ai tellement d'objectifs que le temps qui me reste, je peux rien en faire.
Donc, j'ai décidé de prendre une année sabbatique après le bac. J'ai dit à mes parents qu'après le bac, j'allais prendre une année sabbatique pour mettre en place tous mes projets. Et mon père m'a répondu catégoriquement non. Ma mère, elle m'a dit non, mais elle m'a laissé un semblant d'espoir. Donc, je me suis dit, ah, c'était comme ça, je suis partie voir Dieu. J'ai dit, ah, Seigneur, je fais comment? Faut toucher le cœur de mes parents, comme ça, ils vont me laisser faire l'année sabbatique et tout. Et je ne me répondais pas. Et ça m'a fait tellement mal, je suis retournée, je lui ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne me réponds pas? Tu vois les projets que tu as mis dans mon cœur, pourquoi tu ne me réponds pas? Et il m'a dit, en fait, tu veux prendre du temps pour atteindre tes objectifs, mais il te reste encore du temps, qu'est-ce que tu en fais? Et je me suis dit, waouh! Il me reste peut-être 2 mois, mais je vais faire tout ce que j'avais prévu. Et donc, avec le Saint-Esprit, on s'est assis et on a fait un programme journalier de tout ce que j'allais faire pour atteindre tous mes objectifs. Et donc, à partir de ce moment-là, je suis devenue une personne productive, beaucoup plus heureuse dans ma vie. Je fais pas n'importe quoi de mon temps. Je suis toujours productive, je fais toujours des choses. Là, je me suis améliorée en piano. J'ai terminé le programme de l'école. Franchement, j'ai fait quelque chose de mon confinement. Et avec le Saint-Esprit, on va faire encore plus. On a tellement d'autres projets, on va faire encore plus. Ne vous inquiétez pas. Alors aujourd'hui, je veux exhorter quelqu'un qui a peut-être perdu du temps, et qui pense que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit de l'onction seulement. C'est le Saint-Esprit seulement qui est là pour faire tomber les gens à l'église. Mais j'ai envie de te dire que non. Le Saint-Esprit, il est là pour t'aider dans ta vie quotidienne. Il est là pour beaucoup plus que te faire tomber à l'église ou bien te donner les dons spirituels. Amen. C'était mon témoignage. Alléluia. Est-ce que tu peux encore faire un finger acclamation? Et aujourd'hui, je voulais te raconter une histoire qui est dans la Bible. La Bible dit que Bartimée était aveugle et il a rencontré Jésus. Quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. La femme samaritaine, elle était au puits, elle avait ses soucis. Mais quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé, son cœur a changé. Lazare était mort et quand Jésus est arrivé, quelque chose s'est passé. Et nous voulons chanter ce chant qui dit que nous voulons que tu souffles sur notre pays. Nous sommes conscients que ce ne sera pas toujours évident. Nous sommes conscients que nous allons souvent faire face à des épreuves. Nous sommes conscients que souvent, ça peut être bizarre. Mais nous savons et nous avons l'assurance que si tu es dans notre vie, quel que soit vent et marée, qu'il fasse nuit, qu'il fasse jour, qu'il neige ou qu'il pleuve, tu seras toujours avec nous. Tu nous prendras par la main et tu nous conduiras sur le chemin de notre destinée. Hey, hey, hey. Hey. Tu es celui qui ouvre les cieux des aveugles. Tu es celui qui change les vies. Tu déclares une parole et ce qui était mort reprend vie. Jésus. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom Jésus. Ce nom, c'est Jésus. C'est toi qui avais inspiré. Tu as fait décidé d'écrire cette histoire. Et tu l'amèneras jusqu'au bout. Tu l'amèneras jusqu'au bout.
jusqu'au bout. Tu avais décidé d'écrire l'histoire de ma vie. Tu avais décidé d'écrire cette histoire avec nous. Et maintenant, Seigneur, souffle sur nos pays. Souffle sur nos pays. Envahis nos villages. Touchez nos familles. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur, fais connaître le nom. Fais connaître le nom. Le nom qui restaure, le nom de Jésus, le nom de Jésus maintenant. Maintenant, Seigneur, oui, souffle sur le pays. Envahis nos villages, envahis l'atmosphère. Que ton vent souffle et envahis ce lieu. Maintenant, le nom de Jésus. Nous soupirons après cette pluie. Nous avons soif de cette pluie. Nous la voulons ardemment par le Saint-Esprit. Rata la bachante de vos chambres. Que nos vies soient changées. Que l'atmosphère soit changée. Que le Saint-Esprit prenne la place. Reke de vos chita la bachante de vos chambres. Reke de vos chita la bachante de vos chambres. Requere, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'agneau immolé, celui qui a vaincu la mort. Nous te couronnons. Une pluie de restauration, une pluie de délivrance, une pluie qui libère, oh, une pluie.
dire que tu ouvres les écluses des cieux. Oui, ouvre les écluses, Seigneur. Fais tomber la pluie du ciel. Shadabraham Nous voulons que tu souffles. Nous voulons que tu souffles, Saint-Esprit. Nous avons décidé de nous attendre à toi. Nous avons décidé de tourner nos regards vers toi. Nous avons décidé que nos vies, nous avons décidé que nos cœurs, que nos âmes et que nos émotions seront alignées à ta parole. Quel que soit ce qui arrivera, rien ne nous séparera de toi. Quel que soit ce qui arrivera, nos cœurs seront attachés à toi. Et nous voulons que tu souffles ton vent. 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 Hey. Un vent de restauration. Un vent de délivrance. Un vent qui nous remplit, nous inonde et nous fasse déborder. Oh, nous voulons que tu t'épanouisses. Nous voulons que tu te répandes. Jésus a dit, sur toute chair et nous prophétiserons. Rabababababa shekerebo shindarabahana rekerebo shababababa shekerebela ramayeketo rokarabashate rekele. Souffle un vent nouveau.
Commence à élever la voix de l'endroit où tu te trouves. Commence à élever la voix en toute humilité, en toute reconnaissance devant celui qui est le plus grand, devant celui qui est élevé depuis des siècles, depuis l'éternité, depuis avant le commencement du monde, celui qui mérite tout l'honneur, l'adoration, la louange et la célébration. Commence simplement à reconnaître sa suprématie et sa grandeur dans ta vie. Que des paroles d'adoration, qu'un cantique de louange s'élève de tes lèvres et de ton cœur. Que ce soit un peuple humide qui s'humilie. Que ce soit un peuple qui s'humilie, qui s'approche de son Dieu, qui vient à la rencontre de son Dieu. Oh, souffle. Pendant ce temps, il 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 souffle. Oh! Pendant ce temps, tu souffles. Saint-Esprit, pendant ce temps, tu souffles. Saint-Esprit, pendant ce temps, tu souffles. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Un vent nouveau. Pendant qu'il souffle, je vois la peur disparaître. Je vois la maladie disparaître. Pendant qu'il souffre, je vois les infirmités disparaître. Et je vois la sagesse. Et je vois l'intelligence prendre toute sa place dans ta vie et autour de toi. Pendant qu'il souffre, je vois la peur envahir un cœur. Je vois la tristesse quitter une vie. Je vois l'amour, la chaleur de l'amour envelopper un cœur. Et tu sens ses bras d'amour. Pendant qu'il souffre, tu sens ses bras d'amour autour de toi. Oh, il console quelqu'un. Le Saint-Esprit console quelqu'un. Le Saint-Esprit réconforte quelqu'un. Le Saint-Esprit réconforte quelqu'un. Il te console. Regarde ces larmes qui montent. Ce sont des larmes de délivrance. Ce sont des larmes d'amour. Cette chaleur qui monte, c'est une chaleur qui vient de lui. Oh, souffle. Continue de souffler, Saint-Esprit. Continue de souffler, Saint-Esprit. Dans les maisons, dans les chambres, dans l'atmosphère, partout, Saint-Esprit. Souffle mon nouveau. Souffle mon nouveau. L'équipe technique, sur l'équipe des chants, sur l'équipe, tous ceux qui organisent, tous ceux qui préparent, tous ceux qui contribuent, tu souffles le vent nouveau, tu souffles le vent nouveau, tu souffles le vent nouveau, tu souffles le vent nouveau. Oh, le Messiah d'abord, le génie à l'albos. Seigneur, par cette louange, par cette louange, tu visites les maisons, par cette louange, tu visites une vie. Par cette louange, tu visites quelqu'un qui t'a appelé. Tu visites quelqu'un qui t'a invoqué. Tu réponds à une question qui t'a été posée. Seigneur, tu visites quelqu'un qui est dans le doute et qui est dans les troubles. Tu le visites par ton souffle. Par ton souffle nouveau. Par ton souffle nouveau. Tu le fais, tu le fais, tu le fais. Ne regarde pas aux circonstances qui t'environnent, mais décide de te lever, de te lever et de l'adorer, de te lever et de l'adorer, de te lever et de l'adorer. Un bon nouveau, un bon nouveau. Oh, les moros, souffle mon nouveau.
parole aux ceux qui en opposent. Souffle, visite, délivre, restaure, libère, remplis, accorde ton onction. Oh, c'est toi qui le fais. Adonai, c'est toi qui le fais. Jéhovah, c'est toi qui pourvois. Oh, il me dit, c'est lui qui pourvoit, c'est lui qui pourvoit. Il se révèle à toi comme Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit, le Dieu qui pourvoit. Alléluia, 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 alléluia. Et voilà, c'est qui en a, voilà, c'est qui en a, bolos. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et faire monter une acclamation en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel, en l'honneur de l'Éternel, celui qui règne, lui qui règne, lui qui règne, celui qui est le roi, ah, celui qui est le roi, ah, celui qui est le roi, ah, celui qui est le roi. Alléluia. N'est-il pas digne de recevoir la gloire? N'est-il pas digne de recevoir l'honneur, la célébration et l'exaltation? N'est-il pas digne? Oh, le boss, c'est un dégât, le boss. Et pendant que tu l'acclames, tu es visité. Pendant que tu l'acclames, tu es visité. Pendant que tu l'acclames, il te visite, il te visite. Il te visite, il te visite. Visite. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a un champion, une championne de l'Éternel qui est venu dans sa présence le rencontrer et le célébrer? Qui est digne comme lui? Qui lui ressemble? Jéhovah Jireh, un Dieu qui pourvoit. Qui est comparable à lui? Non, personne. Personne. Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Oh, alléluia. Il est bon de demeurer dans sa présence. Et tu as choisi la bonne part. Alors je t'invite à terminer ce moment que tu as commencé. Parce que certainement, le Seigneur va nous visiter. Certainement, le Seigneur accomplira des choses extraordinaires encore à travers sa parole, à travers son onction, à travers l'adoration, à travers sa personne. Amen. Sa personne guérit, sa personne soulage, sa personne réconforte. Alléluia. Tu as choisi la bonne part en nous rejoignant à ce culte hebdomadaire, ce culte de célébration de louange, n'est-ce pas? Que le Seigneur soit béni. Amen. On va encore acclamer le Seigneur une dernière fois parce qu'on ne se lasse jamais de le faire. Pourquoi tu es fatigué? Pourquoi tu es fatigué de l'acclamer? Regarde tout ce qu'il a fait pour toi, tout ce qu'il a accompli pour toi. Ne te lasse pas de l'acclamer, ne te lasse pas de le célébrer, ne te lasse pas de le chanter, ne te lasse pas de l'admirer, ne te lasse pas de reconnaître qu'il est Dieu. Alléluia, alléluia, amen. Que Dieu vous bénisse, on va acclamer le Seigneur pour Bloom Praise également. Qui vous allez regagner vos places, accompagnés par l'onction, la grâce et la faveur, la bénédiction du Seigneur sur vos vies. Alléluia. Amen. Le Seigneur soit béni, le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je suis tellement heureux d'être là. Vous n'avez pas idée. Et vraiment, quand je préparais ce moment et que je recevais les paroles du Seigneur, même en venant dans ce lieu, vous voyez, j'étais en train d'écouter une chanson. La chanson que vous avez chantée tout à l'heure, la chanson que Dena Mona a chantée avec Dan Newton, c'est ça? Hein? Et j'écoutais cette chanson dans la voiture. Et j'écoutais pas cette chanson à la base, j'écoutais une autre chanson, une chanson de Derek. Donc la chanson Tu mérites. Et j'étais en train de chanter, d'adorer. Et le chant est fini. J'ai remis en arrière une première fois. Amen. Et avant que j'arrive, le chant suivant que YouTube m'a proposé, c'était ce chant-là. Et donc,
Quand je suis arrivé, j'ai éteint, coupé le moteur, tout ça, c'est resté en pause sur le champ. Et puis je viens, puis le champ, en étant le champ encore ici, j'ai dit. Tu vois, souvent, le Saint-Esprit te donne de petits signes. Tu vois, c'est YouTube quoi, c'est YouTube, tu vois. Mais il passe même pas à YouTube pour donner un petit message. Pour dire, mon petit, c'est bon, c'est bon. Devant, c'est bon. Alléluia. Que tu écoutes le Saint-Esprit, que tu discernes la voix du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu donc pour ce thème qu'on a commencé, qu'on va continuer aujourd'hui. Donc je vous avais promis aujourd'hui qu'on allait parler du désir. Amen. Donc on va effectivement parler du désir. Mais avant qu'on parle du désir, on va terminer deux choses sur l'opportunité et les capacités. Ok? Donc je rappelle que cet enseignement est tiré de une parole que le Seigneur avait donnée au pasteur Mohamed là, en 2018. Je crois en 2018. Oui, en 2018, c'est ça, en 2020. Donc, où il avait parlé, il enseignait sur la bénédiction et la malédiction. Et il nous avait enseigné à travers les codes, ok, capacité, opportunité, désir. Et donc, il avait ouvert un peu le pan du péché également. Mais on va s'attarder dessus aujourd'hui. On va revenir dessus, on va s'attarder dessus. Amen. Et on va toucher le désir tout à l'heure. Mais avant ça également, je vous parle souvent de quelqu'un. Tu vois, parce qu'on m'explique qu'on a plusieurs types de pères spirituels, tu vois. Il y a les pères spirituels qui t'ont engendré, c'est-à-dire que c'est lui qui t'a annoncé pour la première fois l'évangile. Donc, il t'a engendré. Et puis, il y a des pères spirituels qui font ta croissance, c'est-à-dire qui t'enseignent. Tu vois, ce n'est pas lui qui t'a évangélisé, ce n'est pas lui qui t'a donné l'évangile, mais c'est ton père spirituel parce que tu es sous lui maintenant, tu manges à sa source, tu es abreuvé à sa source avec ses enseignements, avec la grâce que Dieu a faite toute sa vie. Amen. Et je vous ai souvent parlé d'un monsieur. Amen. Et ce monsieur-là, il est là aujourd'hui. Il est venu comme ça. Enfin, on va dire comme ça. Mais tu vois, la force que... C'est la joie que j'éprouve. Parce que quand je le vois, je repense à ce qu'aurait été ma vie si je ne l'avais pas rencontré. Tu vois, je me suis converti à l'âge de 16 ans. Lui, il avait environ 17 ans, à peu près. Il s'était converti, c'est la même année que moi. Bon, tout ça, c'est trop long. Est-ce que sous vos ovations, vous pouvez faire monter... une reconnaissance à Dieu pour le serviteur de Dieu, Memel Obel. Je vais lui demander de venir juste pour qu'on le voit. Les Bloomers ne te connaissent pas. Je parle souvent de toi. Donc, c'est l'abbé, l'assistant pasteur Obel, Memel, Michel. Donc, c'est par lui. Le Seigneur a travaillé, a opéré sur sa vie. À travers lui-même, son grand frère. Il s'est converti et il n'a pas gardé l'évangile pour lui seul. Amen. Mais il est venu et il a partagé à... Tu vois, il faisait partie de la bande dont je te parlais. La bande d'amis que je ne voulais jamais laisser. J'étais prêt à aller en enfer à cause de ma bande d'amis. Il faisait partie de la bande d'amis aussi. Amen. Mais il s'est converti. Quand il s'est converti, il est revenu vers nous. Il est venu nous trouver en train de discuter de boîte de nuit. On est en train de faire un programme pour aller en matinée en boîte. Et lui, il est venu, il ne parlait pas. Il était tout calme au milieu de nous. Son calme était recouvert du Saint-Esprit. Parce que son calme nous a fait nous arrêter nous-mêmes et poser une question. Vous dites, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis on fait le programme, tu ne parles pas aussi. Alors lui-même, c'était un boiteux. Hein? Il était boiteux. Tu sais ce que c'est un boiteux? Il partait en boîte. On parle du programme et puis il ne parle pas aussi. J'ai dit, ah, amen. Et ce jour-là, c'était la première fois qu'on le revoyait après sa conversion. Mais c'est ce même jour qu'il a prêché l'évangile. Et c'est ce même jour qu'à la fin, en marchant, tout le monde était parti. Et j'étais à ses côtés et je lui ai dit, comment on fait pour donner sa vie à Jésus? Et il m'a répondu ce jour-là. Et il m'a dit simplement, bon, peut-être que je ne me souviens pas, mais il m'a dit simplement, tu donnes ta vie à Jésus, tu vas te mettre dans ta chambre, tu pries, tu te mets à genoux. Il m'a dit une simple parole. Et je suis parti ce jour, j'ai fait ce qu'il m'a dit. Et le Seigneur m'a visité. Le témoignage que j'ai rendu dimanche dernier, il était l'instrument que le Seigneur a utilisé. Quand je dis que j'ai eu un flashback, toute ma vie a défilé devant moi, j'ai commencé à pleurer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Apé, tu veux dire quelque chose? Une petite parole d'encouragement qui va libérer quelqu'un. Je pense que j'ai dû lui dire, tu n'as pas besoin d'être dans une église, dans une Amen. Paroisse. Amen. Tu peux simplement aller à la maison, fermer les yeux et dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Amen. Et Jésus va rentrer dans ta vie. Alléluia. Donc tu n'as pas oublié. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et c'était aussi simple que ça. C'était aussi simple que ça. Et j'ai fait de ma chambre un sanctuaire.
Pourtant, j'étais dans une vie de péché. Mais sur cette simple parole, j'ai fait de ma chambre un sanctuaire. Aujourd'hui, me voici ici. Consacré à l'évangile. Consacré au Seigneur. Consacré à chercher des âmes. À entretenir des âmes pour le Seigneur. Que cela soit ton histoire dans le nom puissant de Jésus. Tu reçois cette grâce et ta vie est transformée aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc pour essayer d'aller un peu vite, amen. On a vu donc le dimanche dernier, on a parlé du principe du péché, ok? Enfin, on a parlé de l'exercice du péché, l'environnement du péché, comment un péché arrive, n'est-ce pas? Et pour cela, on s'est basé sur une loi chimique, un principe chimique, qui est donc le principe de quoi? De la combustion, donc du triangle du feu, ou le triangle de feu, comme vous voulez. Je ne sais pas si on va refaire l'expérience, je pense que non. Pourquoi on ne soit pas trop pris par le temps? On va refaire l'expérience quand même. Peut-être que tu n'as pas suivi le culte de dimanche dernier. Je vais t'inviter à suivre le culte de dimanche dernier. C'est très important. Et même le dimanche d'avant. Et même le dimanche d'avant, ainsi de suite. Parce que c'est dans une suite logique qu'on est. Ok? Peut-être que tu vas voir dans le thème, on va mettre partie 5. Mais on va parler d'un nouveau pont aujourd'hui. Partie 5 parce que depuis un moment, on a commencé ce thème. Et qui est super intéressant. Et que je t'invite à suivre. Rattrape-toi, il est encore temps. Mais ce n'est pas grave. Même si tu n'as pas suivi le culte de dimanche dernier, et ceux d'avant, je vais faire un rapide résumé, ok? J'ai besoin d'un assistant ou d'une assistante, quelqu'un qui est prêt, hein, rapidement, s'il vous plaît. Il va faire l'expérience pendant qu'on va passer procéder à autre chose. Il faut me préparer aussi les baguettes, s'il vous plaît, hein? Coach, ouais, il faut me préparer les trois baguettes. Et j'aurai besoin pour ça de 4 personnes, ok? 4 personnes. J'aurai besoin de 4 personnes. Ok. Bon, 4 personnes avec leur masque, s'il vous plaît. Mettez vos masques quand vous allez venir. Hein? Vous ne chantez pas, donc vous n'avez pas besoin de parler non plus. Ok, donc, ma nouvelle assistante. Mais où sont tes lunettes? Tu n'as pas de lunettes? Ici, on porte lunettes. Hein? Attends, mais elle ne sait pas où bien. Hein? Ici, on porte lunettes. C'est les expériences chimiques. Faut pas tes yeux vont devenir trucs bizarres ici. Amen. Et essaie de regarder, il y a des lunettes également. Bon, on va laisser tomber les lunettes. Elle va faire attention. Tu vas faire attention. Hein? Attends, tu seras tout près du feu de toute façon. Hein? Bon. En tout cas, il y a des lunettes dans le kit de l'expérience. Ok, donc bon, tu maîtrises l'expérience parce que tu étais là dimanche dernier. Donc je vais te demander de rallumer tout simplement une des bougies, une seule, pas besoin d'allumer les deux, c'est juste pour nous montrer ce qui se passe. Donc, la loi de la combustion dit quoi? Que pour qu'il y ait un feu, il faut qu'il y ait 3 conditions réunies. Il faut qu'il y ait un combustible, il faut qu'il y ait un comburant et il faut ce qu'on appelle une source d'énergie ou alors une source de chaleur. Et pourquoi c'est une réaction chimique et ce n'est pas une réaction physique? Parce que c'est des molécules qui sont en œuvre, c'est des molécules qui sont en action. Donc si on parle de la paraffine, et je précise que c'est un clin d'œil qu'on fait à ceux qui préparent leur examen, ceux qui sont en révision, hein, c'est pour vous qu'on fait ça, c'est pour ça qu'on est dans les exemples comme ça. Donc pardon, le bac là, le BTS là, le BPC là, faut l'avoir, on va quitter ici. Que le Saint-Esprit te l'accorde dans le nom puissant de Jésus. Révise, pendant que tu révises, tu es conduit par le Saint-Esprit et tu finalises parfaitement tes révisions. Et je veux dire à quelqu'un qui entend de paniquer à cause du temps qui lui reste, ne sous-estime pas le petit temps qui te reste. Dieu peut t'éblouir à travers ce temps-là, dans le nom puissant de Jésus. Ok? Donc voilà. On vient d'allumer donc une bougie. Donc il y a du feu, n'est-ce pas? Ça, c'est du feu. Ça brûle, c'est chaud. Ok? Il vient de se passer une réaction quand elle a allumé la bougie. Elle a fait quoi? Elle a apporté à ce qui va représenter ici la bougie, la paraffine. Elle-même va représenter quoi? Le combustible. Le combustible, c'est la chose qui brûle. Pour qu'il y ait un incendie, il faut quelque chose à brûler. Quand il y a un incendie de forêt, quand le feu a fini de dévorer toute la forêt, le feu fait quoi? Il s'éteint. Parce qu'il n'y a plus de combustible. Il n'y a plus de bois à brûler. Le feu... Pardon? Le feu a fini de brûler. Ok? C'est la fumée là quoi. Bah vous je vais essayer. Ok. Voilà, merci. La dernière fois j'ai pris une excuse pour boire de l'eau. D'ailleurs c'est pour me rappeler que je dois boire de l'eau. Bénis le nom du Seigneur. D'accord. Donc on revient à notre expérience. Donc il y a le combustible, la paraffine. Et le combustible aussi est complété par une mèche. Qui va quand même permettre que tout le combustible ne brûle pas comme ça, mais brûle progressivement. Donc, c'est le système de la bougie. C'est un peu particulier. OK? À ça, on va avoir quoi? Un comburant.
Le comburant, c'est quoi? C'est ce qui entretient la... Bon, qui entretient... En tout cas, c'est le comburant qui permet de maintenir, voilà, de maintenir la réaction. On va bien le comprendre, on va bien comprendre le rôle du comburant. Et le comburant, donc, dans notre cas ici, ce serait quoi? L'oxygène. L'oxygène est un très bon comburant, pardon. Donc, l'oxygène, c'est aussi une molécule. Vous êtes d'accord avec moi? C'est le dioxygène, O2, ok? Pour les chimistes, physiciens, n'est-ce pas? O2, ça, c'est encore frais dans ta tête, hein? L'onction de Bac, tu as déversé ça sur eux déjà. Allez, son Bac l'année dernière. Amen. Donc, elle déverse l'onction sur vous aussi. Déverse un peu. Alléluia. Tu vois, donc, l'oxygène, c'est le comburant, j'ai dit. Donc, dans cette pièce, bien sûr, Dieu merci, on a du comburant. Parce qu'on a du comburant, qu'est-ce qui manquait maintenant à l'équation? Il manquait une source d'énergie. Et la source d'énergie, on a pris quoi pour la créer, pour la recréer, cette source d'énergie, cette source de chaleur? On l'a recréée avec une bûchette d'allumettes. Alléluia. Et donc, quand on a réuni les trois conditions du triangle de feu, on a obtenu quoi? Une bougie qui s'allume. Maintenant, mon assistante, qu'est-ce que je vais lui demander de faire? Je vous ai dit que pour qu'il y ait feu, il faut trois conditions. Et le comburant, qui est l'oxygène, permet d'entretenir l'équation. Sans l'oxygène, même si ça brûle déjà, à un moment donné, l'équation va s'arrêter parce qu'il y a un lien du triangle, un lien de la croix qui sera rompu. Et c'est ce que maintenant Aniel va faire en prenant quoi? En prenant le vase qui est là et en le posant sur la bougie. Vas-y. Donc, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle prend un vase hermétiquement fermé, ok? Elle va séparer le combustible et la source d'énergie, la flamme. Elle va isoler le feu, en quelque sorte. Elle va isoler un élément, elle va isoler le quoi? Elle va isoler quoi? Qu'est-ce qu'elle va faire? L'oxygène, qui est le comburant. Alors, isole la bougie, le reste, le tout, l'ensemble de l'équation du reste. Voilà. En le faisant, qu'est-ce qu'elle fait? Retire ta main. Ouf, la flamme est en train de tenir. Elle s'éteint. Le feu s'éteint parce qu'il n'y a plus le comburant. C'est-à-dire que tout le peu de comburant qui restait dans le tube a été consommé par la flamme. Dès qu'il a fini d'être consommé, la flamme s'est éteinte parce qu'elle n'avait plus de comburant. Elle n'avait plus de source, on va dire peut-être d'énergie si tu veux. Ok? Si on reprend ce comburant, vous avez toute la fumée qui est dedans. Donc c'est une fumée qui sera composée de quoi? De CO2, de dioxyde de carbone. Et donc ça veut dire qu'il y a encore moins d'oxygène que précédemment. Si on remettait encore sur une bougie, ça allait s'éteindre encore plus vite parce qu'il n'y avait plus d'oxygène. Amen. Donc, merci, Aniel, tu peux te rasseoir. Donc, ce qui vient de se passer là, pourquoi je te parle de ça? Parce que la similarité, on a fait une similitude avec quoi? Avec un processus qui se passe dans notre corps. Donc, Pasteur Mohamed avait parlé des codes, capacités, opportunités, désirs, pour parler des bénédictions, mais aussi de quoi? Des malédictions. Est-ce que tu vois? Et dans la grande catégorie des malédictions, il y a quelque chose qu'on appelle le péché. Ok? Et le péché, pour moi, est une malédiction. Est une grande malédiction parce qu'elle nous empêche de réaliser beaucoup de choses. Amen. Et c'est par le péché qu'une malédiction peut nous atteindre, car la Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction sans... Non. La malédiction sans cause est sans effet. Voilà. Tu vois? Donc, dans notre schéma qui va s'afficher à votre sur l'écran maintenant, dans le schéma, on remplace le triangle de feu, on va l'assimiler au processus qui se passe quand on pêche, quand il y a péché. Pas péché, péché, poisson. Péché, péché, faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ok? Donc, dans notre schéma, comme vous le voyez, on aura quoi? À la place du combustible, on aura, donc, dans notre équation, on aura le combustible qui est remplacé donc par la capacité, on avait dit. Ok, combustible qui est remplacé par la capacité, le comburant qui est remplacé par l'opportunité, et enfin la source d'énergie qui est remplacée par quoi? Par le désir. Donc, le dimanche dernier, on a parlé de la capacité, de l'opportunité, de ce que ça représente. Et je pense que tout le monde l'a compris. Mais je vais le compléter avant de descendre sur le désir. Je vais le compléter. Donc, dans notre processus de péché, quand il y a une capacité de péché, quand il y a une opportunité de péché, l'opportunité, il faut comprendre ça comme une occasion favorable, une occasion qui convient. C'est ça une opportunité. Ça veut dire que
c'est une opportunité, je la saisis. Une opportunité, c'est un événement qui tombe bien. Ça tombe à pic. Tu vois, l'opportunité, c'est ça. C'est-à-dire, ça tombe bien. On nous chie comme on peut dire ça. Opportunité. C'est un quoi? Un tchor. C'est tchor. C'est tchor. Aïe. C'est tchor quoi? C'est fini comme ça. C'est nouveau nous chie quoi? Attends, il faut que je m'actualise. Donc on dit c'est tchor. Tu vois, c'est comme si c'est tchor. Tu vois, comme on dit tchor. Voilà. Mais c'est ça, mais c'est même tchor là. Pourquoi vous dites c'est tchor? Vous avez conjugué ça quoi? C'est toi quand tu parles et puis quelqu'un dit quelque chose et puis il est pile dessus et puis tu dis tchor, c'est ça même. Tu vois, c'est ça l'opportunité. Quand l'opportunité tombe, elle tombe et puis c'est tchor. Est-ce que tu vois? Donc c'est ça. C'est ça l'opportunité. Et puis à côté de l'opportunité, tu as quoi? Maintenant, enfin, la source d'énergie qu'on a assimilée à quoi? Dans notre exemple, on a assimilé ça au désir. Donc quand tout s'est réuni, frère, on ne dit plus d'un bon rêve. C'est péché en même temps qui arrive. Alléluia. Et donc, on essaie de voir comment faire pour que l'équation là, elle n'existe pas, qu'elle ne se réalise pas. Et c'est là que j'ai besoin de vous maintenant. On va donner un autre exemple pour que ce soit plus clair. Donc, je vais demander à une seule personne de venir avec une des baguettes. Donc, c'est les drapeaux qu'on a l'habitude d'utiliser. Aujourd'hui, on ne va pas montrer les pays. Les pays ne signifient rien. Tu vas te mettre peut-être où elle peut se mettre. Elle peut se mettre devant là. Ça sera bon, ça ne sera pas bon. Elle doit se mettre ici. Bon, d'accord. Moi, je vais me mettre là. OK. Bon, donc, essaye. Tu restes là comme ça. Et puis, tu vas te mettre. Mets-toi vers le micro. Mets-toi plutôt vers le micro. Et puis mets ta baguette en ligne comme ça, voilà. De façon, voilà, exactement. Donc recule un peu plus parce qu'on aura besoin de beaucoup d'espace. Ok, voilà, tiens bien ton bâton. Maintenant, je vais demander à la personne qui n'a pas de bâton, qui est la quatrième personne. Qui est à la quatrième personne? Envoie-moi quelqu'un de... Oui, tu peux venir. Quelqu'un qui a un masque, hein? Tout le monde envoie un masque. Je vois deux, trois, ok, tout le monde, c'est bon. D'accord, donc, voilà notre... élément. Une jeune chrétienne dynamique qui aime le Seigneur, qui a donné sa vie à Jésus, qui a eu son bac fraîchement, tout ça. Maintenant, elle est dans sa marche avec le Seigneur. Dans sa marche avec le Seigneur, qu'est-ce qu'elle va rencontrer comme obstacle? Elle va rencontrer ce qu'on appelle le péché. Ok? Donc, le péché, c'est rater le but, c'est manquer le but. Et le but ultime du diable, c'est que tu vives dans une vie de péché, même si tu as le titre et le nom chrétien, n'est-ce pas? Maintenant, si je demande à Agnel, Agnel, viens, tu te mets là en face, tu regardes, Mélissa, est-ce que Mélissa peut t'empêcher de venir atteindre cet endroit-là juste derrière? Est-ce qu'elle peut t'empêcher de le faire avec cette grosse barrière-là? Est-ce qu'elle peut le faire? Hein? Sans bouger, Mélissa n'a pas le droit de bouger. Est-ce qu'elle peut t'empêcher d'atteindre ton objectif? Avance. Est-ce que tu peux passer là où il y a la baguette? Elle la tient fermement. Essaie de traverser la baguette. Tu ne peux pas traverser la baguette si elle la tient fermement, n'est-ce pas? Et puis on suppose que Mélissa a plus la force que toi-même. Quand on regarde là-même, on sait que Mélissa a plus la force que toi. Donc, si tu veux la lutter ici, là, elle va te jeter même, n'est-ce pas? Essaie de la bloquer un peu comme. Essaie de traverser. Essaie de traverser. Voilà, bloque bien. Voilà, tu vois, elle est bloquée. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire là? Elle a encore le choix. Elle peut contourner le problème, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Évite, solution d'évitement. Et elle arrive à son objectif. N'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Agnel qui a trouvé une solution? Pas de péché cette fois-ci. Bravo Agnel, bravo. Et maintenant imagine que cette baguette-là, c'est la baguette de la capacité. Donc, dans nos exemples, on a dit que la capacité c'était quoi? C'était la capacité à faire le mal. On a pris des exemples. Chaque fois que tu pêches, ce processus se met en place. Il n'y a pas photo. C'est-à-dire que ça, tu ne peux pas avoir, c'est-à-dire si tu as pêché dans la semaine-là, fais un examen, tu vas tomber tout ce qu'on on va voir maintenant. Ok? Donc, Agnel a la capacité de pécher, mais elle ne veut pas pécher. Donc, elle fait quoi? Malgré la capacité qui peut être en elle. Si c'est un péché, on avait pris l'exemple du péché sexuel ou bien de péché comme la masturbation, ce genre de choses. Elle a la capacité de pécher, mais elle ne va pas le faire. Donc, elle peut le contourner. J'ai la capacité de commettre l'adultère, mais je ne vais pas le faire. Pourtant, j'ai toute la capacité de le faire et je ne le ferai pas parce que j'ai le Saint-Esprit en moi. Amen. Donc, elle arrive à contourner le péché. Maintenant, deuxième problème dans l'équation. Je vais faire venir un deuxième problème qui sera cette fois-ci quoi? Qui sera l'opportunité. Ok? L'opportunité. Donc, l'opportunité est là. Un joli garçon, bien, le gars, oui, il est prêt, il est fan de la go, tout, oui. Tu me kiffes, je te kiffe, t'es mon crush, je suis ton crush, blablabla, tout ce que tu veux. Ok? Donc lui aussi, il vient et puis il va venir. Agnel vient te remettre à ta position initiale. Lui aussi, il va revenir. Et puis également,
il va essayer d'empêcher Aniel d'accéder au but. Mets-toi de l'autre côté là-bas, forme un tout, essaie de compléter le bout là-bas. Donc on a quoi maintenant? On a la capacité, on a aussi l'opportunité. L'opportunité, comme on a dit, c'est tchon, ok? Donc, essaye de passer par là-bas pour atteindre l'objectif. Essaye. Donc, Aniel essaie, c'est verrouillé. C'est verrouillé. Tu sais, ils sont musclés même. Et quand on la pousse, on la jette même. C'est pas grave. Mais qu'est-ce qu'elle peut encore faire? Elle peut encore utiliser le même chemin. Un contournement. Donc, elle va contourner le problème et elle va atteindre encore son but. Elle va se retrouver là, faire la volonté de Dieu. Tout est bien. Il n'y a pas péché. Donc, il y avait capacité, il y avait opportunité. Elle a regardé l'opportunité, elle a dit, tu as menti. Elle a regardé la capacité, elle a dit, tu as menti. Et puis, maintenant, elle est passée. Et puis, elle a pu s'en sortir. OK? Est-ce que la capacité et l'opportunité sont capables de maintenir Aniel dans un cercle? Non, ils ne peuvent pas parce qu'il y a toujours une ouverture. Même s'ils veulent me coincer par ici, je peux toujours traverser. Essaye de m'enfermer. Essayez de m'enfermer. Ou bien, Aniel, viens, c'est toi l'exemple. C'est toi qui as ton masque. Essaye de l'enfermer. Voilà, elle peut sortir, elle peut s'en sortir. Elle peut venir là, elle peut traverser, faire tout ce que vous voulez, voilà. C'est simple. Voilà, fermez devant, fermez. Voilà, mais elle sort par, elle passe par derrière. Et puis elle s'en va. Vous comprenez? Elle n'est pas enfermée dans un cercle vicieux. Maintenant, on se remet en place, remets-toi à ta place, opportunité, capacité, reste bien en place. Ça va devenir compliqué quand Monsieur Désir va rentrer en jeu. Monsieur Désir, viens. Voilà, Monsieur Désir qui vient à la démarche de Monsieur Désir, c'est bien. Monsieur Désir, c'est comme ça qu'il marche. Il marche comme ça. Parce qu'il sait que lui, là, on ne joue pas avec lui. Amen. Donc maintenant, voilà Aniel qui verrouille. Mais quand capacité, opportunité, désir sont rassemblés, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient quoi? Ça ne vous rappelle rien? On a trois barres. Ça peut faire quoi? Trois barres? Un triangle. Ça nous rappelle étrangement le triangle de feu. Capacité, opportunité, désir. Aniel n'a qu'à nous dire là. Elle va passer par où pour aller là où elle voulait partir avant là. On a verrouillé partout. Tu ne peux pas t'abaisser, ma soeur. Tu ne peux pas t'abaisser. Le Saint-Esprit est raide en toi. Alléluia. Hein? Tu vois, elle se retrouve coincée dans un triangle et il n'y a plus de solution. Tout ce qui lui reste à faire, c'est de flirter avec le péché. Au milieu là de ce triangle. Parce qu'il y a le feu qui se déclenche quand le triangle, les trois conditions sont rassemblées. Donc, elle risque de rester dans ça pendant longtemps. Ok? Mais il peut s'avérer que dans son état de péché qui est en train de s'installer, qui peut être occasionnel, qui peut être aussi chronique, c'est-à-dire qu'il y a longtemps tu es dans le péché. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Ok? Il peut arriver que tu reçoives, imaginons que c'était Internet qui te faisait pécher sur quoi? Sur un jeu ou bien sur... Je vais toujours prendre les mêmes exemples là. Bon, c'est pas grave, c'est l'exemple qui est là-haut. Bon, pornographie encore. Mais donnez aussi les autres péchés là, il n'y a pas un peu les autres péchés là. Bon bref, c'était la pornographie qui était le problème. Imaginez que sur son téléphone, il y a tout... La capacité à pécher. Parce que la pornographie devient ici une capacité en soi. Pas une opportunité, mais une capacité. Parce que pour pécher, pour regarder la pornographie, en le faisant, elle pêche. Donc la capacité, c'est pouvoir accéder au contenu pornographique. Donc elle a deux moyens, son téléphone. Un unique moyen, disons que c'est que sur son téléphone. Parce qu'elle ne peut pas faire ça sur la télévision de papa. Tu comprends? C'est normal. Donc son téléphone, un jour, pendant qu'elle marche, son téléphone tombe et puis se casse. Il tombe dans l'eau. Est-ce que le soir, là, elle va commettre, elle va regarder pornographie? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une capacité qui va faiblir un moment. La capacité va se retirer. C'est un problème de capacité. Elle n'aura pas péché ce jour, tu peux t'en sortir. Elle retourne, on va dire, compte tenu de circonstances exceptionnelles, elle a la possibilité de sortir du péché. Pendant six semaines, elle n'aura pas péché, elle n'aura pas regardé la pornographie parce qu'elle n'avait pas le nouveau téléphone. Donc la capacité lui a été retirée. Pendant six semaines, elle aura la victoire. Mais il y a toujours opportunité et désir qui demeurent là et qui l'attendent au tournant. Ça veut dire quoi? Dès
qu'elle aura le téléphone, dès qu'elle aura un nouveau téléphone, ou bien dès que quelqu'un va se tromper pour laisser son ordinateur seul quelque part dans un coin, c'est gâté. C'est gâté. Elle va venir se retrouver au milieu là-bas, bien, et puis maintenant on va se regarder encore. Amen. Donc ça, c'est l'exercice de la capacité. Comment tu vois, comment des fois, tu arrives à t'en sortir, pas parce que tu as reçu une délivrance particulière, que tu as prié le Seigneur, mais juste parce qu'il y a une circonstance qui a fait que tu as pu t'en sortir. Imagine que ce soit l'impudicité, le péché. Et puis le gars, un moment, il te trompe. Et puis il dit, il ne veut plus de toi, il casse ton cou. L'impudicité, là, tu vas commettre ça avec qui? Tu vois? Tu ne pourras plus commettre l'impudicité avec la même personne. Donc, la personne en question, elle ne représente pas une capacité, elle représente quoi? Une opportunité. Donc, l'opportunité aussi va ouvrir pour un moment sa barrière. Parce que le gars t'a fait mal. Il t'a fait tellement mal que tout ce que tu envies là, c'est de le gifler, de le griffer, de faire tout ce que tu veux là. Les goumets bizarres que tu as ressentis là, où Dieu t'a pas envoyé puis tu as ressenti malheureusement. Donc quand goumet là, tu as envie de faire autre chose que... Voilà, tu vois non? Donc ça va lui créer une opportunité, elle va sortir. Quand on va lui demander, mais tu as commis une impudicité hier? Elle va dire non, non, même pas. Elle dit, hey, bonne soeur, bonne soeur. En fait, c'est parce que le gars, il veut plus. C'est pour ça. Donc tu en soucies. Parce que le gars là, il est remplaçable. Non, il y a un nouveau gars qui va venir. Quand lui, il va venir, plus mignon, plus choco, plus sexy que l'autre. Tu vas, lui, c'est pas bois. Lui, c'est ferme. Il va venir fermer ici, un cadenas. Pour où tu as passé là, c'est là que tu vas m'expliquer. Amen. Elle va faire quoi? Elle va se retrouver encore dans le cercle vicieux du péché parce qu'un élément était remplacé par un autre. Mais pourtant, pendant un moment, elle n'a pas péché. Et il en est de même pour le désir. Et le désir aussi, oui, le désir peut faire des ouvertures. Le désir peut faire des ouvertures. Moi-même, je sais ce dont je te parle. J'ai eu des problèmes avec la masturbation. Et si, comme moi, quand tu te masturbes, pendant même que tu es chrétien, quand tu finis là, il y a une culpabilité qui tombe sur toi. Tu n'as pas envie de refaire. C'est-à-dire qu'il y a une culpabilité parce que c'est... Donc, le désir, là, il chute, il tombe d'un coup. Et le désir aussi, souvent, il fait des sous-vertus. Tu as honte de toi. Tu as fini de regarder des vidéos bizarres. Tu as fait des choses bizarres. Et tu as honte. Le désir tombe et te laisse un petit répit. Tu peux sortir pendant quelques jours, pendant pour d'autres quelques semaines, pendant pour d'autres pendant quelques mois du péché. Mais en réalité, quand le désir remonte, tu te retrouves dans la même situation. Et le désir aussi ferme ses portes. Alléluia. Et c'est ça le cycle du péché. Trois conditions qui sont tout le temps réunies. Qui sont tout le temps réunies. Amen. On va maintenant donc casser le cercle complètement. L'image, conserve-la bien. Conserve bien l'image. Vous pouvez vous rasseoir pour gagner vos places. Ce qui va se passer maintenant, j'ai dit que j'ai touché un peu le désir. Je te donnais une belle ouverture sur le désir. Si tu as bien suivi, tu vas comprendre qu'il y a un petit doc que je t'ai donné, que je t'ai laissé. Amen. Donc, on va prendre, avant de progresser. On va revenir donc sur l'opportunité. Donc, le but, ce n'est pas de faire l'apologie du péché, de dire que le péché il est trop fort. Au contraire, je suis en train de t'expliquer ce qui se passe quand tu pêches pour te donner les moyens de pouvoir lutter plus efficacement contre le péché. Ok? Donc, quelle est la solution face à l'opportunité? Si tu as bien compris ce que j'ai expliqué par rapport à l'opportunité, qui est donc une occasion favorable, l'opportunité peut sembler être la chose la plus facile à combattre. Parce que l'opportunité, en réalité, elle ne dépend pas de toi. Tu peux créer l'opportunité. Mais l'opportunité peut venir d'ailleurs, n'est-ce pas? C'est différent de la capacité. Parce qu'on avait parlé dimanche dernier de la capacité. La capacité dans les cas qu'on a pris, par exemple, la pornographie et tout, ce serait de t'arracher les yeux. Et puis de t'arracher les oreilles, de te couper les oreilles. Ok, mais on va revenir sur la capacité tout à l'heure. Donc l'opportunité, l'opportunité peut paraître facile. Il peut paraître facile à quelqu'un de lutter contre l'opportunité, n'est-ce pas? Comme pour les raisons que j'ai expliquées. Maintenant, l'opportunité peut s'avérer, au contraire, être plus difficile. Ça dépend
de comment tu la vis, cette opportunité. L'opportunité peut être ton travail. L'opportunité peut être ton voisin de classe. L'opportunité peut être ton camarade de classe, qui est pourtant une occasion de chute. Donc tu vois que l'opportunité, ce n'est pas aussi simple que ça. Madame Potiphar. Madame Potiphar. Est-ce que tu connais Madame Potiphar? Madame Potiphar, à un moment donné, est devenue une opportunité pour qui? Pour Joseph. Mais la Bible dit quoi? Que Joseph a fait quoi? Quand Madame Potiphar, elle-même, était une opportunité, a eu une occasion de saisir le petit beau Joseph, le pauvre. Qu'est-ce que Joseph a fait? Je vous ai dit que c'est lui qui a inventé, c'est Smurf, non? C'est lui qui a inventé le Smurf, Joseph. Parce que quand il a déjà son manteau comme ça, on ne sait pas comment Joseph fait, mais quand il a ouvert ses yeux, là, elle a cligné des yeux comme ça, quand il a ouvert, c'était un manteau qui était dans sa main, l'homme n'était plus dedans. Elle dit, ah, tu es petit, tu es fort. Le gars a fait un Smurf bizarre là. Il est sorti comme ça du manteau. Elle n'a rien compris. Le gars a mis dedans. Qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph a fait quoi? Il a cassé l'opportunité. C'est-à-dire qu'il a fui. Maintenant, péché qu'elle veut faire là, adultère que tu veux commettre là, tu as fait ça un manteau. Tu comprends? Donc, c'est ce qui s'est passé avec Joseph. Il a fui une opportunité. Mais l'opportunité, vous convenez avec moi, qu'elle était délicate parce que cette opportunité était sa patronne. Donc ça veut dire que tous les jours, quand il va se lever, il va venir travailler là, il sait qu'elle le guette. Elle va le guetter encore. Donc elle aussi, comme elle était déçue, elle a coupé court en même temps, elle dit c'est fini même. Tu penses que tu as travaillé dans la maison encore ici? Waouh! Elle a crié. Oui, il a voulu me violer. Il a voulu me violer. Oh, le mari est venu. Le mari même là. Il dindin, il sait que Joseph ne peut pas faire ça. Mais Joe, c'est sa femme, comme il m'a fait. Donc il l'a fait mettre en prison. Pour rien. Le pauvre petit est parti en prison. Pour se garder du péché. Vous comprenez? Vous comprenez jusqu'où ça va? Tu vois que même pour, dans le fait de se préserver du péché, là, il y a de la douleur dedans. Il y a des choses que tu vas perdre. Il y a des avantages que tu vas perdre. Parce que tu ne veux pas pécher. Parce que tu ne veux pas te compromettre. Parce que tu ne veux pas donner ton corps. Il y a des avantages que tu n'auras pas sur le point de vue humain. Mais fais-le. Tu vas finir comme Joseph aussi. Tu vas finir premier ministre d'Égypte. Ce monde qui t'a condamné, c'est lui que tu vas gouverner. Donc c'est la promesse qu'il y a derrière la sanctification. Et je t'invite à faire comme Joseph et à fuir de toutes tes forces. Sois plus que Usain Bolt devant l'impudicité. Il faut fuir, mon frère. Ce n'est pas ton lutte. Amen. Donc ça, c'est les différentes catégories d'opportunités qu'on peut avoir. L'opportunité peut être également quoi? L'opportunité peut être une suggestion sur les réseaux sociaux. Vous avez vu, quand je venais ici, quand j'écoutais Derek Jones, la suggestion suivante, qui était celle de YouTube, parce que c'est basé sur des algorithmes qui calculent à peu près ce que tu aimes. Tu comprends? Les publicités qu'on reçoit sur YouTube, sur Google et toutes ces choses-là, sur les sites internet, c'est des publicités ciblées. On connaît tes habitudes. On sait ce que tu aimes. Ils peuvent déterminer si tu es noir ou si tu es blanc. Ils peuvent déterminer où tu habites. Ils savent où tu habites, dans quelle région tu habites. Donc si on a fait une publicité, on fait une publicité en fonction de la localisation. Même quand tu vas passer à côté d'un supermarché, on fait une publicité relative au supermarché. Parce qu'on sait que tu es dans les parages. Parce qu'ils ont tes données, mon cher. Tu ne savais pas? Ils ont ça. Ils ont ça fatigué même. Et toi-même, tu as validé. Tu as dit oui, j'accepte. J'accepte. Quand tu voulais cliquer les formulaires vite, vite pour avoir le contenu que tu voulais là. Tu as dit j'accepte que vous me localisez comme ça. Est-ce qu'il se passe? Donc, YouTube, tu vois, m'envoie une chanson. Mais là où je trouve que c'est spectaculaire, c'est parce que la chanson, vous la chantez. Ok? Mais tu vois la suggestion que j'ai reçue? C'est parce que YouTube connaît mes habitudes. Tu vois? Maintenant, le Saint-Esprit aussi peut dribbler. Le Saint-Esprit peut t'envoyer une suggestion, toi, mais tu n'as rien voir. Le Saint-Esprit est capable de faire ça. Pourquoi on pensait qu'il ne pouvait pas faire ça? Amen. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Quand tu vas aller une fois sur des réseaux, ou bien tu vas aller sur des sites internet, des sites pornographiques, ben, il y a des trucs aussi qui vont venir. Donc, ça veut dire que toi-même, tu es là, hein, tu n'as pas demandé à pécher. Moi, ministère, là, j'étais tranquille. C'est vrai, hein? On lutte ici, on est là. Mais moi, je n'ai pas demandé. C'est eux-mêmes qui m'ont envoyé le truc. Quand j'ai vu là, va sur ton Instagram. Va regarder des filles dénudées tout le temps. C'est des filles dénudées qu'on va t'envoyer. Va regarder des garçons qui sont dans des positions bizarres. C'est eux qu'on va t'envoyer. Quand tu vas aller dans l'accueil, tu vas aller dans le truc. C'est ça qu'on va t'envoyer. Parce que c'est ça qui t'attire. C'est ça que tu aimes. C'est le message que tu as communiqué aux gens là-bas. Donc, c'est ce que tu fais là. C'est ça qu'on te donne. Donc, si tu te rends compte que tes réseaux sociaux sont salis, comme ça, je t'invite à aller sanctifier tes réseaux sociaux. Soit tu changes de compte carrément, c'était une vie, ta vie passée, c'était ton réseau social, le vieil homme, ton vieux réseau social.
Maintenant, tu crées un nouveau. Soit ton même compte, tu vas et puis tu le purifies. Tu commences à faire des choses dignes du Seigneur. Et tu vas voir comment ta portée, tu t'empêches de le faire. Est-ce que vous comprenez? Et pire encore, vous savez ce que les gens font? Il y a une arnaque maintenant que les gens font sur Internet. Ils t'envoient un message. Et dans le message, ils t'envoient le début de ton mot de passe. Ils t'envoient le début de ton mot de passe. Et puis, ils disent ton mot de passe, c'est tant, c'est tant, c'est tant. Et la plupart des gens qui ont eu ces messages-là, c'était vrai. C'était leur mot de passe. Soit un vieux mot de passe, soit un mot de passe actuel. Mais c'était leur mot de passe. Et puis, ils disent que quand tu partais sur le site bizarre, là, c'est le message qui est là. Hein, quand tu partais sur le site bizarre, là, on t'a vu. Ta caméra, là, on a activé ça et puis on t'a filmé. Et tu t'es bien engagé, n'est-ce pas? Ah, tu as bon goût. Hein. Ils t'envoient un message comme ça, tout fait. Et puis maintenant, dans le message, on dit, bon, si tu ne veux pas qu'on envoie ça à tous tes contacts, parce que dans ton mail, là, on a pris tous tes contacts, on connaît tout le monde. Si tu ne veux pas qu'on envoie les vidéos de toi qu'on t'a filmé en train de faire ce que tu faisais là, envoie, si tu ne veux pas qu'on envoie ça à tous tes contacts, envoie-nous telle somme d'argent. Et puis on ne va pas envoyer. Frère, c'est une arnaque. Mais tu vois, ton cœur coupe. Quand il te parle de ça, ton cœur coupe. Mais tu sais que... Et puis c'est vrai, c'est possible. C'est possible. Quelqu'un peut prendre contrôle de ta caméra. Il peut prendre contrôle de ton téléphone. Même s'il n'est pas la CIA, il n'a pas besoin d'être dans le FBI. Mon cousin, il faisait des cours d'informatique, de hack de protection informatique, hacking. Hein? APMML, Obel est là, il peut confirmer, il peut témoigner. Son exercice, quand il venait de commencer ses cours, son exercice que le professeur leur donne, tu dois prendre le contrôle de la webcam, de la caméra de l'ordinateur, l'un de tes gars de la classe. C'est l'exercice qui est là. Exercice, ce n'est pas des pirates. Il est venu faire cours d'informatique. On dit voilà l'exercice ça qui est là. Parce qu'on sait que si tu as réussi à faire là, tu vas savoir ce que les pirates font et tu pourras les contrecarrer. Tu comprends? Donc tu es là, oui. Non, tu penses que tu es seul. Tu penses que tu es seul avec ton téléphone. Tu es là à gauche, à droite. Comme le vigile, je vous ai raconté le dimanche dernier. Le vigile qui est là et puis c'est ma sub seul dans la rue parce qu'il pense qu'il n'y a personne. Non, toi aussi, tu penses que tu es seul. Pourquoi je te dis tout ça? Parce que ta solitude là, c'est une fausse solitude. Et je fais exprès de te dire ça. Parce que je sais que quand tu sais que tu es vu, il y a des choses que tu ne veux plus faire, que tu ne peux pas faire. Tout est tracé. Il y a des traces partout. Tous les sites pornographiques où tu vas là, tout est tracé. N'est-ce pas? Hey, on dirait que Mémel, tu n'es pas venu ici pour rien aujourd'hui. Hein? Il y a le truc informatif, on dirait que tu devais intervenir dessus. Mais les informaticiens peuvent pister. Hey, même Awa, Coach Awa est là. Coach Awa peut confirmer, n'est-ce pas? Tout est tracé, tes historiques, tout. Donc, un informaticien virtuose, là, il peut venir, il peut savoir où tu es parti, sur quel site tu es parti. Ça te fait peur. Tu vois? Mais tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. L'opportunité que tu penses avoir, ce n'est, ça n'en est pas une. Tu es traçable. Un jour là, drap peut péter. Et puis c'est vilain. Quand c'est comme ça, désire tout là, tout qui t'emmène, tout ces quatre papa. C'est honte même qu'elle a, tu es là maintenant. Et la chair. Parce que ma mère dit, la chair n'aime pas. La chair même qu'elle a dit, la chair, elle est la chair là. La chair n'aime pas la honte. Vous savez ça? Ça là seulement là. On dit oui, les désirs de la chair, oui, je suis trop faible, oui, la chair est faible. Dès que ton papa ouvre la porte, bah, frère, honte est sur toi là. Si c'était masturbation, là, peut-être pendant. Le vieux t'a dit comme ça. Yeah! Même pas le vieux, la vieille, je sais pas. Mais ton petit frère, ah, c'est, tu vois comment c'est vilain, non? Est-ce que quand il finit et puis ferme la porte là, tu as envie de continuer? Ça quitte, c'est pas l'onction, mais ça quitte, un coup, bah! C'est une pièce, la pièce est fermée. Nous, on vient là, je peux pas me passer de toi, je peux pas me passer. Et puis tous les murs tombent, lumière, bah, tout le monde saigne, tout le monde est là. Je ne peux pas me passer. Aïe, premier réflexe, même quand quelqu'un va tromper sa femme ou bien son époux, et puis le mari, il est genre là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont là comme ça, et puis ils sont là, attends un peu dehors, on va terminer, puis tu vois. Le gars se cache, et c'est l'unité, même sentiment que Adam et Ève ont ressenti quand Dieu les a appelés. Il les a appelés, non, nous nous sommes cachés. La chair, depuis Adam et Ève, la chair n'aime pas la honte. On s'est caché. Elle dit, aïe, parce qu'on est nu. Il dit, aïe, mais qui vous a dit que vous êtes nu? Mais moi, quand je vous ai conçu dans mon programme, là, il n'y avait pas ça dedans. Qui vous a dit que vous êtes nu? Non, ça a dit que, bon, ce que tu as dit, là, l'arbre, là, on a mangé quoi? Tu vois? Mais la chair n'aime pas ça. Donc, si tu exposes la chair, si la chair sait qu'elle sera exposée dans quelque chose, elle ne fera pas. Elle ne le fera pas. Maintenant que ça arrive dans une autre dimension, là la chair s'en fout maintenant. Mais là c'est une autre dimension. Vraiment c'est une autre dimension. Mais je ne crois pas que tu sois là-bas. Pour toi là seulement, là, c'est pas là-bas encore. Donc il ne faut pas venir mentir dessus. Amen. Il me reste combien de temps? Je ne suis même pas rentré dans les désirs encore. Les gens là, les gens m'ont accéléré la semaine là. Ils disent non, il fallait parler des désirs en même temps.
pourquoi tu n'as pas parlé des désirs? C'est pas grave. Si on a commencé des désirs, là, on va terminer. Dimanche prochain, connecte-toi encore. Alléluia. Donc, aussi, pour combattre l'opportunité, ça c'est important, il faut que je le dise. Pour combattre l'opportunité, ce que tu peux faire, c'est de... Tu peux combattre l'opportunité chez l'autre. Tu peux même arriver à combattre la capacité chez l'autre. Imagine, c'est pas encore de votre âge pour vous tous, ok? Mais imagine que tu sois en âge de te fiancer. Parce que ça, ça va vous arriver. Et un jour, soit toi, soit ton fiancé, est dans une faiblesse. C'est-à-dire que peut-être que vous ne vous êtes pas mis des principes et que vous avez commencé à faire des choses. Et un jour, le fiancé, c'est vraiment chaud sur lui. C'est-à-dire les désirs, là, c'est, les désirs sont désireux même. Les désirs sont désirables. Il désire même, lui-même, il ressemble à feu des âmes. Il s'est déjà allumé. Est-ce que tu comprends? Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous serez à ce moment-là tenté de pécher. Et les histoires de fiancés, fiancés, puis on prie dans la chambre là. Je vous ai dit, oh, toi, tout ça là, toi, ces chambres. Priez non, allez prier sur le toit. Mais tu sens que la soeur, tu as des sentiments pour elle. Hein? Même si ce n'est pas ta fiancée, tout ça, mais tu as des sentiments, puis c'est vous êtes sur toi. Vous êtes sur toi, quoi. Toi, ces chambres, il n'y a personne là-bas. Tu vois, tu penses que personne ne te voit, mais Dieu te voit. Le Saint-Esprit te voit. Amen. Donc, devant ça, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je disais même? Et puis, j'ai commencé à parler de ça. Hmm? Oui, les fiancés. Donc, les fiancés. Et puis, le frère, il est là. Non, chérie, tu sais, juste un petit bisou. Juste un petit bisou. J'ai trop envie d'un petit bisou. Frère, imagine là, là. Tu entends de dire non, non, pas chérie. Tu n'as pas peur encore, chérie. Non, frère qui? Hein, comment ça s'appelle? Gasparien. Non, Gasparien, toi aussi, tu sais que si on commence, peut-être que ça va aller. Non, ça ne va pas aller loin. C'est juste un petit bisou, c'est juste un petit bisou. Et puis, tu essaies de le convaincre. Non, viens prier. Oui, on va prier après, on va prier après. Frère, là, là, tu le gifles un coup. Bah! Est-ce que tu penses que... Est-ce que tu ne penses pas que... Le désir, là, ça a quitté un peu quand même. Est-ce que tu vois? Maintenant, si le désir ne quitte pas, qu'est-ce que tu peux faire? Tu prends ton pied. Et puis, tu l'allumes dans ses parties intimes. Non seulement le choc psychologique, le choc physique. Frère, il va te regarder quoi? Peut-être que vous n'aimez plus vous marier même. Bon, il faut réfléchir avant de faire ça. Mais là, là, je t'assure que tu auras la délivrance. Ça a quitté dans ses yeux. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Toi, tu n'avais pas le désir. Tu n'avais pas le désir. Mais il y avait la capacité et il y avait l'opportunité. Lui, il avait les trois. Il avait le désir. Tu essayais d'enlever le désir en lui disant non, faut pas en faire. Le Seigneur, oui, quoi? Non, il est toujours chaud. D'accord. Opportunité, on est enfermé dans la chambre ici. On ne peut pas partir quelque part. Le temps même qu'il est parti, il m'a dit, voilà. Tu vois. Donc, l'opportunité est là, désir est là, capacité est là. Qu'est-ce que tu peux faire? Donc, si tu n'ouvres pas la porte pour crier, hé, venez voir ta gobelle ici, c'est qu'il a fait les faire. Oh! Tu vois, si tu n'as pas pu faire ça parce qu'il a bloqué la porte, donc tu attaques la capacité. Tu le limes là où tu dois le limer. Il va se calmer. Ça a quitté. Il faut quitter ici. Après, tu as demandé pardon. C'est pas grave. Au moins, vous n'avez pas péché. Alléluia. Tu comprends comment ça marche. Tu vois comment le péché marche. Tu vois comment tu peux te transiger la capacité. Pareil, quelqu'un qui vient vouloir te tuer. Il vient te tuer. Hmm? Il a un couteau. En fait, il ne sait pas que toi, tu es un gars de self-défense. Tu as fini ça même. Non, il vient le couteau. Et toi, il te tue. Et puis, il vient et il prend le couteau. Attends, en un temps, trop délit, il n'a rien compris. Fa. Couteau, quoi, tout est par terre, sa main dans son dos comme ça, et puis maintenant il est là. J'ai dit, le gars que tu as maîtrisé comme ça, là, et puis il est en train de te demander pardon. Hé, hey, pardon. Est-ce que ce gars-là, il n'a plus envie de te tuer? Il veut te tuer, toujours, mais il ne peut plus. Celui qui voulait te tuer, il est en train de te demander pardon. Pourquoi? Parce que tu as neutralisé la capacité et que tu le contrôles. Donc c'est comme ça aussi que tu peux lutter contre le péché qui te guette. Parce que toi aussi, tu luttes. Pour l'instant, tu es forte. Mais peut-être qu'à un moment donné, là, toi aussi tu as faibli. Donc ça sera opportunité jumelée. Là même, vous allez vous. Est-ce que tu vois? Donc avant que ça chauffe sur toi, là, avant que ça s'active chez toi, tu détruis l'opportunité chez quelqu'un. Comment tu peux détruire l'opportunité aussi? En ne donnant pas ton numéro de téléphone. Ne donne pas ton numéro de téléphone. Tu sais, tu vois le gars. Tu le vois. Tu sais qu'il est pas un même. Mais en même temps, là, tu vois, c'est ton style, quoi. Tu sais, c'est les gens de gars. Toi, c'est les gens comme ça. Le gars vient et te demande ton numéro de téléphone. Tu sais, c'est pour faire quoi?
Mais non, j'ai lui donné quand même mon sacrifice. J'ai évangélisé. À quel moment on va évangéliser alors? À quel moment on évangélise alors? Tiens mon frère, mais c'est pour t'évangéliser. 07. Faut bien noter. Attends, viens voir. Tiens, bien noter. Okay. Faut m'appeler. Maintenant, le frère aussi t'appelle. Ah, c'est toi. Attends, ne quitte pas. C'est pas vidéo, mais tu as les mêmes maquillages. Tellement c'est dans ton corps. Est-ce que tu comprends? C'est des signes qui te montrent que ça là, pardon. C'est vrai, il n'a qu'à se convertir. Donne son numéro. Toi, il faut prendre son numéro. Prends son numéro, tu vas donner ça à qui de droit. Eux, ils vont l'appeler. Toi seulement, il faut qu'il t'aide dedans. Donc maintenant, qu'est-ce qu'elle va faire? Quand il va t'appeler, tu vas commencer. Oui, tu sais, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Ça va commencer comme ça. Il va dire, oui, mais écoute, bébé, quand je vois tes yeux, vraiment, je ne cesse de... Les battements de mon cœur seront proportionnels aux battements de tes cils. Il va sortir une phrase. Une phrase bidon là. Ton cœur va faire coup. Après, Jésus t'aime, moi aussi je t'aime. Jésus t'aime. Mais tu n'as pas compris. J'ai dit, moi aussi je t'aime. Ah, toi aussi. Est-ce que tu vois? Donc, tu vas te compromettre. Donc, tu peux casser une opportunité en amont. Tu peux casser une opportunité en ne créant pas de circonstances. Tu ne donnes pas la possibilité au gars de te contacter un jour, de rentrer dans ton PV. Le gars veut savoir, tu as déménagé, tu avais un gars avant, il te fatiguait. Chaque fois que tu donnes ta vie à Jésus, tu reviens, tu chutes à cause de lui. Tu déménages. Dieu merci, tu as déménagé. Pendant un an, tu n'as pas péché. Le gars, il te retrouve sur les réseaux sociaux. Il demande où tu habites. Et puis toi aussi, j'habite à... frère, tu as retombé encore. Parce que tu n'as pas fini de régler tes problèmes. Amen. Et je vais terminer avec la capacité dont on a parlé. Et je vais vous lire un passage qu'on n'a pas lu la dernière fois, dont on en a parlé comme ça, mais je vais vous le lire, parce que ce n'est pas tout le monde qui a connaissance de ce passage, et de l'importance de ce passage dans la Bible, et de son positionnement surtout. Donc, c'est dans le livre de Matthieu 5, verset 27 à 30. Matthieu 5, verset 27 à 30, je lis à partir du verset 27. « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle, dans son cœur. Donc, quiconque regarde une femme pour la combattre a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, on est en train de parler de péché, n'est-ce pas? Et la Bible dit au verset 29, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, si ton œil droit te pousse à regarder la pornographie, qu'est-ce que tu dois faire? Tu l'arraches et tu fais quoi? Et tu le jettes loin de toi. Jette-le loin de toi. La Bible précise, jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Dans d'autres versions, il est dit, il est avantageux pour toi de rentrer borgne au ciel que d'aller en enfer avec tous tes membres. Ok? Verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps tout entier n'aille dans la géhenne. Amen. Amen. Et je vais terminer par ça. En disant que dans la capacité à neutraliser, tout à l'heure dans l'exemple qu'on a vu, quand le téléphone se perdait, quand le téléphone tombait dans l'eau, se cassait, que tu n'avais plus accès à Internet, tu étais délivré provisoirement du péché. Dès que la capacité allait revenir, tu allais tomber. C'est-à-dire que tu n'arrêtes pas de pécher volontairement. Tu arrêtes de pécher parce que tu n'en as plus la capacité ou parce que tu n'en as plus l'opportunité. Amen. Ce que la Bible entend de dire ici, s'attaquer à la capacité, c'est s'attaquer au moyen qui te fait pécher. Ok? Donc, si c'est le sexe, si c'est l'impudicité, c'est la fornication, si tu estimes que tu es trop faible, que ta chair est trop faible devant l'impudicité, si tu aimes Dieu, mais comme tu dis que tu aimes Dieu aussi, là, ce que la Bible te demande de faire, c'est que le moyen, là, ce qui te permet de pécher, il faut t'en séparer. Donc, il faut couper ce que tu dois couper. Ok? Là, ça devient délicat, tu vois, ça devient compliqué. La Bible dit non seulement de couper, mais de jeter ça loin de toi. C'est-à-dire que ce que Jésus est en train de te dire, il n'est pas en train de t'exhorter à t'amputer, mais il est en train de te dire que c'est tellement important de garder ta vie précieusement. Ta vie vaut tellement que toi, à cause d'un ami, comme c'était mon cas, à cause d'un ami, à cause de plusieurs amis, un groupe d'amis, j'étais prêt à aller en enfer. Parce que je me disais que tous mes amis seront en enfer. Parce qu'ils ne vont pas prendre la même décision que moi. Donc, Memel était le seul qui s'était converti à cette époque. Donc, ça y est, quand je regarde, bon, Memel est seul là-bas. Les autres, ils sont aussi d'un groupe. Bon, et puis, on s'amuse bien. Ou on s'amuse plus là.
Et même elle, elle a fait l'église qui est rentrée dedans, elle est devenue chrétienne. On ne peut plus trop s'amuser à lui, quoi. Donc j'ai choisi de rester avec ceux qui sont cool. J'ai choisi de demeurer avec ceux qui sont cool. Et en enfer, au moins j'avais là le réconfort que je ne serais pas seul. Toi, peut-être ce n'est pas tes amis, peut-être c'est ton gars, peut-être c'est ton petit ami, peut-être c'est ton quoi? Ce plaisir ou ce péché ou bien ce truc que tu as en tête là, qui est le seul point ou bien l'un des points sur lesquels Jésus ne peut pas agir. Toi, tu aimes trop le show. Toi, tu aimes le show là. Toi, tu aimes ça. Donc, tu vois, c'est et au moins si, est-ce que même c'est mauvais même? Est-ce que c'est mauvais? Tu peux être chrétien et puis tu vas au show. Quand je vais au show, est-ce que je pêche là-bas? Est-ce que tu sais que le show, c'est une opportunité? Tu sais qu'il y a des gens qui se sont fait violer simplement parce qu'ils sont partis, pas dans une boîte de nuit, à un anniversaire. Anniversaire alcoolisé. Anniversaire avec je ne sais pas quoi. Même anniversaire même avec des gens bizarres. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est dans tous les sens. Tu vas d'un anniversaire avec des gens peu recommandés. Toi, tu dis que tu es chrétien. Non, c'est un anniversaire seulement, c'est mon ami, c'est ma copine de classe, je ne sais pas, un anniversaire. En même musique, pas un homme, tout est là, tous les ingrédients sont là. Maintenant, il y a un gars, lui, dedans, lui, c'est un vicieux. Il est venu avec des poudres, des comprimés bizarres. Il va te mettre ça dans ton verre. Tu ne vas rien comprendre. Quand tu vas te réveiller, tu seras plus vierge. Tu comprends? Donc, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait une opportunité qui s'était présentée à toi. Toi, tu l'as minimisée. Tu es parti te jeter dans l'opportunité. Tu n'avais pas l'intention. Tu n'avais pas le désir, mais il y a une opportunité qui s'est créée. Il y a quelqu'un d'autre, lui, il avait un désir. Et toi, tu es tombé dans l'opportunité, tu étais la personne, tu es devenu son sergent. C'est-à-dire, tu es tombé, lui, il cherchait quelqu'un pour commettre là qu'il voulait commettre. Et c'est toi que. Si tu n'étais pas. Attends, quand tu vas à l'église, là, tu as l'occasion de boire, tu peux mettre quelque chose dans ton verre. Quand tu vas dans un environnement où les personnes qui viennent même là, elles ont un autre esprit différent, tu as l'occasion d'avoir des trucs comme ça. Mais où ça arrive le plus souvent? Et vous vous amusez avec ça? Non, je vais à la CND. Je vais à la Sunday. Qu'est-ce qui va se passer là-bas? Et ce dont je te parle là, c'est pas comme si c'est pas arrivé quoi, comme si j'imagine, comme si c'est des statistiques. Frère, ça arrive. Donc tes décisions, tu vas trouver que l'église est dure. L'église est dure. Comment on peut pas les musiques mondaines, tu vois, c'est parce que j'ai pas le temps de développer. Non, pourquoi on peut pas écouter la musique du monde si les paroles qu'on dit dedans, frère? Arrête de te séduire. N'essaie pas de conformer Christ à ta vie, à tes choix. Toi, conforme ta vie à la vie de Christ et à ses choix à lui. C'est tout ce qu'il te demande. Et ce n'est pas difficile. Fais-lui confiance et on le verra quand on va attaquer les désirs. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu vois les petits avertissements que le Seigneur te donne. Souvent, c'est parce qu'il y a des grosses conséquences derrière. Toi, tu minimises. Tu trouves que c'est rien. Mais tu peux rétrograder à partir d'un seul anniversaire païen. Tu avais des problèmes avec l'alcool. Mais tu n'as jamais eu de problème avec l'alcool. C'est goûter voir qui fait des alcooliques. Celui qui est devenu alcoolique là, tu penses que quand lui il a regardé l'alcool comme ça, il avait 15 ans. Et puis il dit non, moi là, je dois finir ivrogne dans ma vie. Je ne suis pas ivrogne là. C'est que j'ai pas réussi. Moi là, je dois finir même comme un junkie. C'est-à-dire que je dois, comment dire, junkie en truc. Un décalé. Quelqu'un qui accroît à la drogue. Hein? Décalé en truc. Je vais finir comme un décalé. C'est quand je vois ma vie, je n'imagine pas ma vie en dehors du décalage. C'est-à-dire qu'il faut que, je sois dans la rue comme ça, en train de mentir, puis je suis là, donnez-moi la drogue, puis je suis fou. Il faut que je finisse comme ça. Quel objectif? Et puis tu prends une photo d'un fou, tu colles ça dans ta chambre. Je veux devenir comme ce fou-là. Le gars-là, il ne voulait pas. Il voulait juste être cool. Il y avait des amis qui étaient en train de se droguer. Lui, il dit, attends, je suis dans le groupe d'amis quand même. Il faut qu'on m'accepte. Et puis non, c'est juste pour goûter. L'ivrogne, le plus ivrogne, là, il a goûté un jour, il a voulu goûter voir. C'est goûter, voilà. Ou bien non, comme on dit que l'alcool fait oublier les soucis, moi j'ai trop de soucis. Je veux juste oublier ces soucis-là, juste pour cette journée-là. Et puis après, je ne bois plus. Frère, il a fini alcoolique. Donc, tu vois, dans les petites choses, souvent, vous savez, pour vous délivrer, là, le Seigneur vous met dans un avertissement ultime avant que la chose arrive. Moi, je me souviens, ma délivrance des boîtes de nuit, c'est parce que quand j'ai donné ma vie à Jésus, là, la pression, vous pensez qu'elle est partie le lendemain. Le jour... l'assistant pasteur Memel m'a parlé là. Parce que j'ai eu, en même temps, c'est fini et puis je voulais devenir chrétien. Non, c'était chaud. C'était chaud. Après, il y a eu les pressions. J'ai pleuré, je me suis repenti ce jour. J'ai donné ma vie à Jésus et il a pris. Il a pris ma vie ce jour-là. Mais le lendemain là, parce que mes amis savaient que j'ai donné ma vie à Jésus, ils ont continué à me parler de boîte, ils ont continué à m'inviter.
Maintenant, pour ne plus aller en boîte, qu'est-ce qui s'est passé? Comment éviter encore? J'ai eu la tentation, j'ai raisonné, je suis quand même parti en boîte. Mais maintenant, pour ne plus partir là, la fois où je devais partir, rentrer dans une autre dimension de boîte de nuit, parce qu'on était jeune encore, on ne partait pas en soirée, pour rentrer dans les soirées là, le Saint-Esprit est descendu sur moi. Pour dire, mon petit, ne va pas. Frère, c'était une lutte jusqu'au dernier moment. J'ai mis mes chaussures, j'ai enlevé. Finalement, j'ai dit, les gars, je n'irai pas. Vous savez que c'était ma délivrance? Ce jour-là, j'ai minimisé. Hein. J'aurais pu dire non, je découvre. Parce que c'est ce qui me venait. Mon cousin même qui était avec moi, il m'a dit, non, va, on regarde, on découvre seulement. Et puis c'est fini. Après, moi-même, là, je vais te suivre aussi. Moi-même, j'ai dit que tiens, toi. C'est ce qu'il m'a dit, séduction du diable. Frère, vous pensez qu'il m'a suivi, il est parti, il a découvert. Il n'a pas découvert, il est resté dedans. Jusqu'à présent. Que le Seigneur se souvienne de lui. Que le Seigneur se souvienne de toute ma bande d'amis. Qu'il se souvienne de chacun d'eux. Chacun d'eux. Et pendant que je prie comme ça, je pense à tous leurs noms. Dans le nom puissant de Jésus. Et à toutes les personnes aussi connectées à ce message-là. Qui ont envie de changer de vie. Je prie pour toi aussi également. Que tu saisis cette opportunité-là. Pour changer de vie. Et donner ta vie à Jésus. Et tu verras la même transformation. Par laquelle je suis passé. Amen. Et je vais terminer par ça. Donc. Je vais terminer par ça. En invitant quelqu'un. À te dire que ce que Dieu te demande, c'est pour ton bien. Dieu n'a pas un tableau, il n'a pas une collection de punitions. Il n'a pas des règles qu'il met en place et puis il nous guette. Il ne joue pas un jeu avec nous pour voir qui va échouer, qui va réussir. Dieu nous aime. Jésus t'aime. C'est pour ça que quand il t'avertit par sa parole, c'est parce qu'il veut le meilleur pour toi. Et le chemin que lui, il a tracé, sur ce chemin, il n'y a pas d'impudicité. Sur ce chemin, il n'y a pas de fornication. Sur ce chemin, il n'y a pas de relation sexuelle avant le mariage. Il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas de petit ami. Sur ce chemin, il n'y a pas la pornographie. Sur ce chemin, il n'y a pas les images bizarres. Sur ce chemin, il n'y a pas le mensonge. Il n'y a pas le vol. Il n'y a pas l'alcool. Il n'y a pas les scindés. Il n'y a pas tout ça sur son chemin. Donc, quand il voit que tu es en train d'emprunter un autre chemin qui va certainement te conduire vers l'enfer, vers la mort, il t'avertit. C'est tout. Il a prévu autre chose. À la place de Sunday, là, il y a d'autres Sunday. Il y a d'autres choses. Dieu ne te prive pas. Il veut te donner mieux. Accepte seulement de te donner tout entier à lui. Mais il faut le goûter. Essaye. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est comme si tu entendais résonner en ce moment en te disant que non, pas maintenant. Essaye. Essaye Jésus. Essaye-le tout entier. Parce que tu es interpellé par ce message, parce qu'il t'a déjà parlé sur plusieurs choses. Il a déjà pointé du doigt plusieurs choses dans ta vie. Mais tu es en train de manager avec lui. Et tu souffres même en ton cœur. Tu te réveilles le matin, tu bénis Dieu parce que tu es encore en vie. Parce que tu sais que tu ne lui as pas encore donné toute ta vie. Tu sais que tu es dans un processus où tu te dis que tu vas pécher provisoirement, temporairement. Mais il t'appelle. Aujourd'hui, il t'appelle. Est-ce que tu connais la longueur de ta vie? Tu ne sais pas. Tout le monde connaît, pratiquement tout le monde connaît sa date de naissance. D'autres même ne le savent même pas. Mais personne ne connaît sa date de mort. Personne n'a prévu le jour où il va mourir. Sauf s'il veut se suicider. Toi, tu veux te suicider? Non. Donc, si tu ne sais pas combien de temps il te reste à vivre, pourquoi ne pas lui donner ta vie à, ne pas lui donner ta vie à Jésus aujourd'hui? Pourquoi attendre? Pourquoi repousser? Pourquoi toi, chrétien, qui vis dans un cycle de péché infernal, pourquoi tu ne décides pas aujourd'hui d'arrêter cela, même si tu as encore les désirs? La Bible dit quoi? Galates 5, 16. N'accomplissez pas les désirs de la chair. La chair peut avoir des désirs. La chair peut avoir des désirs, mais tu n'es pas obligé de les accomplir. Et on l'a vu avec le triangle de feu. On l'a vu avec le triangle de capacité, opportunité, désir. Tu peux sortir du péché un moment. Et c'est des temps de répit, on le verra dimanche prochain. Mais Dieu te donne des fois des temps de répit. Vous savez, le roi Abimélec, il a rencontré la femme de Sarah, d'Abraham, qui s'appelait Sarah. Et Sarah, parce qu'il avait peur, étant dans un territoire étranger, il avait peur. Et il a menti au roi en disant que Sarah est sa sœur. Et comme Sarah était belle, parce qu'elle était belle de figure, parce qu'il savait que sa femme était pata. Lui, il sait que sa femme pouvait lui créer des problèmes dans le pays où il partait. Donc, il a dit non, je vais dire que tu es ma soeur. Comme ça, ils ne vont pas me tuer. Ils ne vont pas me faire du mal à cause de toi. Parce que si je suis ton mari, ils vont vouloir se débarrasser de moi d'abord. Il a menti ainsi. Et le roi a dit, ah bon, c'est ta soeur. Tant bien. Ça tombe bien. Ça tombe bien. Elle est tellement jolie. Donc, il a pris la femme. La Bible dit que cette même nuit, l'Éternel a apparu en vision à Abimélec pour lui dire que la femme que tu as prise là, si tu ne veux pas mourir, si tu ne veux pas mourir, rends cette femme. Il a dit, ah mais Seigneur, toi aussi, tu as fait périr un juste.
Je ne savais pas. Le gars m'a dit que c'est sa sœur. Il a dit non. Rends la femme du monsieur. Et il s'est réveillé. Il appelait Abraham. Il dit, mais toi là, Yedio, tu as quel problème? Toi, tu as fini triomphant de Jésus. Attends, femme, on t'a demandé c'est qui? Toi, tu dis c'est... Il a mis le gars dans les problèmes. Mais Dieu, sachant, tu sais ce qu'Abraham lui a répondu? Abraham lui a dit que il pensait qu'il n'y avait pas de crainte de l'Éternel dans le pays. C'est pour ça qu'il a dit ça. Mais il n'a pas menti. Qu'en réalité, c'est vraiment sa sœur, quelque part. Tu vois? Mais il a présenté ça de telle sorte que, parce qu'il pensait quoi? Qu'il n'y avait pas de crainte de l'Éternel. Donc Abimélec, en réalité, il craignait l'Éternel d'une certaine manière. C'est pour ça que Dieu l'a empêché de faire ce qu'il allait faire. Sinon, Dieu, il a quel problème? Il n'a qu'à partir à la femme. Dès qu'il va vouloir la toucher là, feu, fa! Et puis j'ai fini le témoignage, gloire. Mais comme, regardez ce qu'Abimélec répond à l'Éternel. Il dit, feras-tu périr un juste? C'est ce qu'il dit à l'Éternel. Pourtant, ce n'était pas un chrétien. Hein? Enfin, chrétien. Est-ce que tu comprends? Donc, ta disposition peut faire que Dieu va empêcher les circonstances de venir. C'est pour ça que dans la parole, il dit, ne nous soumets pas à la tentation. C'est un sujet de prière quotidien. Mais est-ce que toi, tu pries pour ça? Ne nous soumets pas à la tentation. Seigneur, parce que je te crains, ne me soumets pas à la tentation. Évite que les circonstances tombent. Évite que j'ai une opportunité. Peut-être qu'il y avait un joli garçon qui devait passer à 10h10. Fais-moi passer à 10h15. Comme ça, je ne le verrai pas. Parce que c'est ça mon péché. Ainsi de suite. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur maintenant. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'invite à le faire. Pendant que nous sommes en train de prier, commence à demander pardon à Dieu pour tous les péchés que tu as commis, pour toute l'ignorance que tu avais. Mais tu as écouté cette parole, tu as écouté ce message et tu veux que ta vie change à partir d'aujourd'hui. Et je t'invite à faire cette prière avec moi, comme je l'ai fait moi-même un jour. Seigneur Jésus, répète après moi, si tu veux donner ta vie à Jésus, si tu veux repartir de nouveau, tu veux un nouveau départ, prie le Seigneur. Seigneur Jésus, voici ma vie. Je veux te la donner. J'ai écouté ta parole. Et je pense que tu es capable de me sauver. Et je crois que tu es capable de me délivrer. Et je crois que tu es capable de me laver de tous mes péchés. Seigneur, je crois que tu es mort sur une croix pour moi. Et que par cette mort, tu m'as sauvé. Par cette mort sur la croix, tu m'as donné la vie. Je veux aussi ressusciter avec toi. Je veux aussi t'appartenir. Je veux que ton esprit vive en moi. Je veux recevoir de ta force. Je veux recevoir de ton esprit afin de marcher aussi avec toi. Afin de pouvoir être appelé chrétien et de vivre une vie chrétienne victorieuse. Seigneur, voici ma vie. Je te la donne. À partir d'aujourd'hui, elle t'appartient. Je m'en remets à toi. Je me confie à toi. Seigneur, guide mes pas. Que je sois appelé par ton nom à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as choisi Jésus et c'est la meilleure décision de ta vie. Il y a un numéro de téléphone qui va apparaître, un numéro WhatsApp, tu pourras nous contacter. Si tu as besoin de mieux comprendre cette décision que tu viens de prendre, si tu as besoin d'être encouragé, d'être soutenu, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour cela. Je t'invite à nous contacter par ce numéro WhatsApp. C'est un numéro international. Dans n'importe quel pays où tu es, nous pouvons communier avec toi, t'encourager, t'expliquer, te donner des orientations par rapport à la parole. Tu es le bienvenu dans la maison du Seigneur. Alléluia. Et maintenant, si tu vivais une vie chrétienne, compliquée, que tu vivais, tu passais par ce temps où tu étais dans un cycle infernal de péché. Tu pêches, tu as une opportunité qui tombe, tu t'en sors un moment, tu as la victoire, ça va, tu te repens, le désir baisse, tu es dégoûté par ta vie de péché, tu demandes l'aide du Seigneur, ça va pendant quelques temps, pendant quelques jours, pendant quelques semaines, mais après tu retombes encore. Si toi aussi tu t'es fatigué, je vais t'inviter à prier le Seigneur. Je vais t'inviter à prier le Seigneur avec moi, car il a la solution. Comme disait une de nos bleues une fois, elle ne dit pas qu'il a la solution. Sa mère lui disait qu'il n'a pas la solution, mais il est la solution. Jésus est la solution. Crois-moi, Jésus est la solution. Si je peux me tenir devant toi, en train de parler ici, je n'ai aucun mérite. Je ne me souviens pas de la dernière fois où j'ai péché, les péchés qui m'envahissaient, les péchés dans lesquels je retombais souvent. Je ne me souviens pas. Parce que c'est un processus divin qui s'est opéré en moi. Le Saint-Esprit agit en moi. Je n'ai aucun mérite. Je ne peux pas dire que moi j'ai réussi. Mais je vois l'action du Saint-Esprit chaque jour dans ma vie.
et invite-le à faire cette même action. Tu sais, il y a un processus de renoncement que tu dois avoir. Tu dois renoncer. Renonce. Tu dois renoncer. Renonce à quelque chose aujourd'hui et le Seigneur fera le reste. Renonce à un péché. Dis au Seigneur que tu veux y renoncer et il fera le reste. Dans le nom puissant de Jésus, prie le Seigneur, toi chrétien, toi déjà converti, toi qui as besoin de victoire, prie le Seigneur. Au nom puissant de Jésus, tu nous donnes la victoire, 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 tu nous donnes la victoire. Cette génération te servira, ô Éternel. Et pendant que nous chantons ce chant, le Saint-Esprit s'abat sur toi. Et il te commet de péché, de justice et de jugement. Le Saint-Esprit te commet de péché, de justice et de jugement. Parce qu'il a un plan pour toi. Elle ne te laissera pas mourir. Il ne te laisse pas mourir. Tends-lui la main maintenant. Et saisis la perche. Saisis la perche qui te tend. Tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu auras la victoire complète et totale sur le péché. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et nous allons terminer ce petit moment de prière. Je vais lever la voix vers le Seigneur pour toutes les personnes qui passent un examen, qui préparent un examen en ce moment, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je vais vous poser maintenant dans vos vies à tout dévoreur d'intelligence, à tout dévoreur de sagesse, à tout esprit de panique et de peur. Je vous dis, au nom de Jésus, vous quittez la vie de ces personnes qui entendent maintenant cette parole qui les atteint au nom de Jésus. Tu étais même peut-être distrait pendant ce moment, en train de réviser ou en train de passer à tes révisions. Mais l'action de Dieu te saisit là où tu es et tu reçois de son intelligence et de sa sagesse au nom de Jésus. Tu es un canal. Le Seigneur me montre un canal. Tu es un canal par lequel coulent des flots d'intelligence et de sagesse. Mais si ce canal est obstrué par la peur, si ce canal est obstrué par la panique, comment rendras-tu ce que le Seigneur a déposé en toi, ce que tu as acquis à travers tes révisions, à travers tes temps de préparation? Que ton potentiel soit libéré au nom de Jésus. Que ton potentiel soit libéré au nom de Jésus. Sois rempli de sa sagesse, sois rempli de son intelligence au nom puissant de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des acclamations vers le Seigneur? Le Dieu très haut, le Dieu puissant, fort dans les combats. Alléluia. Notre moment tire à sa fin. Nous allons dans un instant recevoir la nouvelle personne. Mais avant ça, avant de céder le micro au dirigeant, je voudrais véritablement t'encourager à rester connecté à cette parole. Et si elle t'a fait du bien aujourd'hui, sache qu'il y a d'autres paroles qui ont été données et qu'également qui te feront encore plus de bien. Amen. Donc va sur notre chaîne, regarde dans les différentes vidéos pour ceux qui sont sur YouTube ou va sur Facebook, tu tapes Bloom City ou Église Vase d'Honneur, tu vas retomber sur certains de nos messages que tu pourras télécharger en toi. On va comprendre le dimanche prochain, quand on va attaquer les désirs, l'importance de télécharger la parole, de télécharger la parole en nous. Ça sera clair. Je t'invite aussi à rester connecté dimanche prochain également. Sois là pour la suite, parce que la suite est terrible. La suite est puissante, encore plus puissante même peut-être. Amen. On va s'attaquer aux désirs. Alors on va bien s'asseoir, on va bien s'installer dans les désirs. On va voir ce que le Seigneur prévoit et qu'est-ce qu'il nous révèle dans sa parole également. Mais c'est trop puissant, trop powerful. Amen. Donc nous avons continué donc aujourd'hui sur notre principe donc de loi chimique pour lutter contre le péché. On est toujours dans le chercher. Amen. Cherche et tu trouveras. C'est dans ça qu'on est. On ne veut pas simplement pécher et puis avancer en espérant que demain on ne va pas pécher. Non. On veut savoir en se basant sur Apocalypse 2:5. On veut savoir, se souvenir d'où on est tombé. Et c'est ce que nous sommes en train de faire à travers cette étape-là de notre thème principal qui est donc quoi? Pia Bampe. Pourquoi il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus? Ok, c'est le hashtag que nous avons créé. Donc la plupart des messages aussi seront sur ce hashtag-là si vous tapez sur YouTube ou Facebook, je ne sais pas.
Vous pouvez le retrouver, retrouver la série de messages dans laquelle on est en ce moment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restons connectés. Pour ceux qui ont commencé leurs vacances scolaires, nous avons beaucoup de choses pour vous également. Pour ceux qui sont en révision, que le Seigneur soit votre partage pendant cette temps de révision. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Donc, au travers du message d'aujourd'hui, nous avons vu comment le péché peut nous enfermer, comment nous pouvons nous retrouver dans des situations, disons, compliquées. Mais nous avons aussi vu comment contourner et comment s'éloigner de ces situations, comment dire non au désir. Amen. Restez connectés pour que le dimanche prochain, nous puissions encore découvrir plus sur cette boucle, comment mettre fin à ce cercle vicieux du péché. Amen. Nous allons maintenant passer au Bloom News. À Bloom, il y a tout pour développer tes dons et talents et ta vie spirituelle. Tout ça en glorifiant Jésus. Tu aimes danser, chanter, slammer ou ça c'est pas ton truc? Toi t'aimes la photo, l'accueil, mon gars, il y a tout. Intègre un département et laisse Christ te façonner. Il y a des départements artistiques et musicaux. Des départements all clean, all fresh. Des départements de la commix. Des départements d'accueil. Des départements organisationnels. Le département de protocole et des départements de prière et délivrance. Dépêche-toi d'intégrer ton département, car ça ne fait que commencer! Il faut que tu parles de ce que tu vis. Ne garde pas les mauvais trésors de ton cœur. Il y a pour toi une équipe de coachs disposée à t'écouter. Alléluia! Amen. Alors si c'est la première fois que tu es avec nous, c'est la première fois que tu suis un culte Bloom, nous te souhaitons la bienvenue dans notre famille, tu es le bienvenu ici et à présent tu es avec nous, tu es un Bloomer maintenant. Donc si c'est la première fois que tu viens, il y a un numéro qui s'affiche, compose-le et tu pourras rejoindre les différents départements, etc. pour mieux t'intégrer dans cette famille. Donc nous allons chanter pour te souhaiter la bienvenue. Amen. Hey. Nous souhaitons la bienvenue. Hey. Tu es ici chez toi, ah c'est une joie pour nous de te recevoir. Bienvenue à Bloom, tu es ici chez toi, ah c'est une joie pour nous de te recevoir. Nous sommes heureux de te recevoir parmi nous, remplis du Saint-Esprit, ta vie fera boum. Chargé, du Saint-Esprit on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Chargé, du Saint-Esprit on est chargé. Rejoins l'équipe, on va prêcher. Pour que les nations soient changées. Hey! Maintenant nous allons te donner des bénédictions. De là où tu es, reçois ces bénédictions. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi, chez toi. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi, chez toi. Nous te bénissons. J'ai ici chez toi, chez toi. La grâce est pour toi, mon frère. Prends-la, prends-la, prends-la. La grâce est pour toi, ma soeur. Prends-la, prends-la, prends-la. Prends-la, 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 prends-la. Et nous disons bienvenue, bienvenue, bienvenue. Donc encore bienvenue à toi. Si tu ne l'as pas encore fait, joins ce numéro pour pouvoir faire partie de notre famille de Bloomers. Donc nous allons maintenant prier pour la fin du culte. Merci Seigneur pour ta parole que tu as partagée avec nous. Merci Père pour ces enseignements, ces clés que tu nous as données. Merci parce que maintenant tu nous as montré comment sortir de ces situations, comment éviter de tomber dans ces situations. Merci parce que tu permets que ces enseignements puissent rester dans notre cœur,
de sorte à ce que même si nous ne sommes pas confrontés à ces événements maintenant, que le jour où ils surviendront, nous puissions avoir le souvenir de ta parole pour pouvoir se comporter comme il le faut. Merci Père parce que tu nous gardes, tu nous protèges. Merci pour la semaine qui arrive parce que tu es l'alpha et l'oméga de cette dernière. Tu nous gardes, tu nous protèges, nos amis, notre famille, et tu permets que tout puisse bien se passer. Au nom de Jésus, amen. Sukachini, chini chena, 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 sukachini, chini